Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo où je vais couper des balles anti-stress. Alors je sais que vous adorez ce genre de vidéo. Alors comme balles anti-stress qui vont être coupées, il y en a trois Orbeez en fait. Donc il y a celle-ci, la jaune. Il y a la pastèque, qui est la dernière que j'avais reçue. Et il y a la grenouille. C'est que des balles Orbeez pour celle-ci. Et il y a deux squishies. Alors pourquoi deux squishies? Tout simplement parce que c'est la même collection, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout la même mousse. Et je suis assez curieuse de voir pourquoi celle-ci est beaucoup plus dure. Et celle-ci est tout à fait squishy, très très bien et tout. Donc je voudrais savoir la différence entre les deux pour la mousse. Vous voyez bien que celle-ci reprend sa forme tout doucement. Et celle-ci, elle reprend sa forme directement, quoi. Donc je trouve ça assez dommage. Donc c'est parti pour les balles Orbeez. J'espère ne pas faire trop de bêtises parce que j'ai l'impression que ça va voler partout. Surtout que je suis en plein déménagement et que bah, c'est assez compliqué avec les cartons en fait. Il y en a pas mal. J'essaye de vous faire des vidéos tous les jours quand même. Ah, je l'avais dit. C'était sûr. Waouh, les Orbeez sont super beaux, regardez ça. Là, la maison va être belle. Donc voilà tout ce que j'ai pu récupérer. Le reste est par terre. Je ne vais pas les mettre dedans. Waouh, c'est super beau. J'adore cette couleur jaune bien vive. Après, c'est parce qu'elles ne sont pas assez gonflées. Une fois bien gonflées, elles seront beaucoup plus pâles. Donc c'est parti. Je vais passer à la grenouille. Mais non, j'essaye de faire ça bien, à chaque fois ça vole. Wow, les verts sont vraiment très très beaux aussi. Donc là, je vais la vider complètement. Donc voilà, il nous reste plus que la grenouille comme ceci. Ça fait vraiment bizarre. Et je vais faire la dernière balle Orbeez. C'est la petite pastèque. Ça va, elle m'a fait moins de dégâts. De toute façon, maintenant, vu tout ce qu'il y a par terre. Wow. Voilà, il nous reste plus que la pastèque vide. Donc ça, c'est tout ce que j'ai réussi à récupérer des balles anti-stress. Une fois que ça aura bien gonflé, ça fera au moins trois fois ça. Donc maintenant je vais couper les deux squishies car je suis assez curieuse de savoir comment que c'est à l'intérieur. Surtout que c'est deux squishies de la même marque en fait. Et je voudrais savoir si la mousse est pareille des deux côtés. Ok, donc la mousse là est comme ceci, toute blanche. Et l'autre. Bah elle a l'air pareille, je suis assez étonnée. Ok, donc là, c'est une mousse qui reprend sa forme tout doucement. Et là, quand j'appuie, elle reprend sa forme beaucoup plus vite. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, ça reprend tout doucement. Et là, c'est déjà repris, en fait. Elle est beaucoup plus dure. Et là, elle est toute molle. D'accord. Donc, c'est la même marque, mais c'est pas la même mousse. En fait, elles se ressemblent beaucoup, mais celle-ci est beaucoup plus ferme. Je trouve ça assez dommage. Donc voilà, j'ai coupé toutes mes balles anti-stress. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!